est très déçu. C'est vrai, ça a été difficile, surtout qu'on a perdu un ami à la dernière minute. Et nous pensons que ça va nous donner beaucoup de courage et beaucoup de l'espoir à tirer pour l'année prochaine. Et nous espérons qu'on va se qualifier pour la Ligue des Champions prochaine. Ah, je pense que c'est le football, comme j'avais dit sur le début, c'est des matchs comme ça qu'on attend pour s'élever. C'est des matchs qui font du bien, qui montrent aussi nos défauts dans les équipes, comme notre équipe. Aussi, on va essayer de se relever plus fort. On a un frère aussi qui est blessé aussi, et tout ça. Je pense que c'est pas la fin. On va essayer de mobiliser tout le monde, de renforcer l'équipe pour l'année prochaine, tout faire pour être champion en Guinée, pour jouer encore cette compétition l'année prochaine. Bon, voilà, on sait déjà chez vous à Wydad, dans ça, c'est pas facile. Déjà jouer dans un pays maghreb, on sait déjà, il y a de beau football et puis encore plus ça. Il y a eu 11 hommes qui les accompagnaient, donc voilà, on les félicite et puis on les souhaite bonne séance pour la demi-finale.